Bonjour les amis, notre petite balade d'aujourd'hui nous amène à Amiens pour aller faire une petite balade dans Berck, dans les ortillonnages. Vous êtes bien installé ? C'est parfait. Alors sur le parcours, je vais vous faire un petit commentaire. Entre deux, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Vous êtes déjà venu ici ou pas ? Non. Personne ? Non. Alors je vous demande ça, c'est parce qu'il y a exactement 33 ans, nous avions des moteurs à essence. Donc on a amélioré nos moteurs essence aux moteurs électriques grâce à des sponsors. Donc dans chaque barque, il y a deux moteurs électriques et à la première banquette devant, entre les deux messieurs, la dame avec la casquette blanche, il y a 300 kg de batterie. Donc la superficie des ortillonnages a été jusqu'à 900 hectares. Aujourd'hui, il nous en reste plus de 300 hectares. C'est-à-dire qu'à l'époque, les ortillonnages allaient jusqu'au pied de la cathédrale d'Amiens. Des maraîchers à l'origine, il y en avait un millier. Aujourd'hui, il nous en reste plus qu'une dizaine de familles de maraîchers. Donc les 10 familles de maraîchers qui nous restent cultivent encore 30 hectares de culture maraîchère. Donc l'association s'est créée en 1975, pour une bonne raison. C'est-à-dire que si vous voulez, il y avait un projet de route, de rocade, qui devait traverser les ortillonnages. Impeccable. Ah, c'est vraiment bien fleuri. Hein. On dirait, franchement, ça donne qu'une envie, c'est de s'évader ici, quoi. Ah oui. Maintenant, vous savez pourquoi le paradis il existe. Bon, c'est vrai. Cette année qu'on a une mauvaise saison, mais bon. C'est partout pareil, hein, c'est pas uniquement chez nous. Il y en a, ils mettent du cœur à l'ouvrage. Hein. C'est vrai. Là, c'est très fleuri. Hein. Ouais, c'est magnifique. Tout s'explique. Salut Michel. Tu dors pas encore ? Bon, ça va pas tarder. Madame, il a dit tout seul. Hein. Ah ouais, j'ai dit non, tout seul. Vous inquiétez pas, il va revenir. Non. Donc, la grande tour qui est légèrement à droite au niveau de la gare, c'est la tour Perret. Dedans, il y a des logements et des bureaux. Par contre, c'est une tour qui est classée. Parce qu'à l'époque, elle a été construite, c'était la plus haute tour construite à cette époque-là. Donc, elle a été construite après la guerre 40. Et c'est le même architecte qui a fait construire au niveau du Havre, Auguste Perret. Auguste Perret, ouais. Après, il y en a une aussi à Grenoble. Après, il y en a une aussi. Il y en a d'autres, mais je ne connais pas tous. Madame, merci pour la retraite, mais j'ai encore 8 ans à travailler. Et on va dire merci Macron. Parce que quand je serai en retraite, j'aurai cotisé 50 ans. Avec plaisir, madame. Voilà, avec une visite comme ça agréable, et on reviendra. Vous appelez comment, monsieur ? Roger. Ah, bah écoutez, si vous venez aux ortillonnages, vous demandez Roger. Et vous ne serez pas déçu de votre balade dans les marais. Merci bien, monsieur, c'est gentil. Bonne continuation, monsieur. Bonne continuation. Au revoir, monsieur. Bien sûr, c'est en regardant les vidéos d'Edwige 80 que j'ai eu envie de venir visiter les ortillonnages. Et je ne regrette pas du tout. On reviendra parce que c'est avec plaisir, madame. Voilà. Avec une visite comme ça agréable, et on reviendra. Vous appelez comment, monsieur ? Roger.